Bonjour les garçons. Bonjour maman. Comment ça va? Très bien. Alors, on est où là? On va choisir nos fournitures scolaires pour la rentrée. Eh oui, on vient choisir nos fournitures scolaires pour la rentrée. Bon alors Cody, il n'y a pas grand chose à choisir étant donné que Cody passe chez les moyens. Mais Tino et Lenny, ils ont leur petite liste. Donc voilà, on va commencer la chasse aux fournitures scolaires. Alors là, comme on est dans le rayon des cartables, on va commencer par les cartables. Ok les garçons? Surtout pas prendre des trucs de filles. Des trucs de filles? Ah bah non, t'es un garçon, tu vas peut-être pas prendre des trucs de filles. C'est parti. Alors regarde Cody, il y en a plein ici. Il y en a des jolis parce qu'en fait ça sert à rien de prendre un cartable trop grand pour Cody puisque... Ah! Attends, tu veux que je t'en sorte? Puisque c'est pour chez les moyens. Si. Alors chez les moyens, c'est pas la peine de prendre un grand. Alors attends, je vais te les sortir et tu vas choisir. Bon alors, Cody m'a fait descendre le petit dinosaure et celui qui fait un peu espace, enfin avion, super-héros, il ressemble à beaucoup de choses. Alors... Mais tout comme ça, j'aime bien celui-là, mais je vais le prendre en CP celui-là. Ah, celui-là en CP, oui, c'est vrai que t'aimes bien les pyjamas, mais t'as raison, il est un petit peu grand. Bon alors, lequel tu préfères dans ceux qu'on a descendus là? Celui-là. Vas-y, essaye. Tu as besoin d'aide ou pas? Non. Non? Attends. Oh. Hop. Non, je l'ai. Alors, montre. Ah ouais, c'est vrai qu'il est joli, hein. Toi qui aimes bien tout ce qui est avion, super-héros et tout ça, c'est vrai qu'il est joli. Il te plaît? Oui. Tu te sens bien avec? Oui. Le dinosaure, il est comment? Bon, c'est vrai que t'aimes bien aussi les dinosaures, mais tu préfères l'autre. Ouais, tu préfères l'autre? Et pour les tontons, je vais prendre le dinosaure. Ah bon, d'accord. Bon, alors t'as plusieurs choix, ouais. Le pyjamasque pour le CP, ça plus tard. Alors pour l'instant, tu préfères celui que t'as sur le dos. Ok, alors tu peux aller le mettre dans le caddie. Attends, celui-ci, je vais le ranger. Hein? Alors tu peux aller le mettre dans le caddie si tu veux. Non, je le garde sur mon dos. Ah bon, tu le gardes. Bon, bah ça y est, tu l'as déjà adopté. C'est parti. Alors c'est parti, on continue. Cody nous pousse. Ah bah c'est Cody qui pousse les grands frères. C'est pas un petit peu à l'envers? Moi, je veux pas échanger de cartable parce que j'aime trop mon cartable. Ouais, j'adore mon cartable. Alors, on vous les montrera arriver à la maison, les anciens cartables de Tino et Lenny pour le CP. Mais du coup, non, ils veulent pas changer, ils les aiment bien. Moi, c'est Batman. Ouais. Moi, c'est Star Wars. Et puis, j'en prendrai un nouveau pour le CE2. Ok, bon, bah pas de problème, les garçons, c'est vous qui décidez. Alors, hop, on continue. On va aller aux trousses, il y a les trousses pas loin. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Bon, alors, voilà le rayon des trousses. Alors, il vous en faut une pour les stylos et une pour crayons et feutres. Non, alors toi, Cody, t'as pas besoin de trousse. En maternelle, il n'y a pas besoin. Alors, vous regardez ce que vous aimez, puis bah, vous voyez. Alors, est-ce que t'as choisi, toi, Lenny? Oui. T'as choisi moi, ça? Oui. Ouais. Et toi, ça? Ok, ils sont jolis. Alors, ça, c'est pour les crayons? Enfin, pour les stylos ou pour les feutres? Ça, pour les crayons. Bah, il t'en faut une maintenant pour les stylos, gomme et tout ça? Ça. La même que ton frère? Alors, il vous en faut une deuxième aussi, hein? Mettre quoi? Ça? Bah, celle-là, c'est ça. Mettre un peu. Attention, Tino, attention. Alors, du coup, attends, qu'est-ce que tu as choisi? Ça et ça. Alors, celle-là, ok, et l'autre, c'est. On commence trop tôt. Ok. Alors, ces deux-là, ok. Et Lenny? Lenny, tu as choisi quoi? Réfléchissez bien, les garçons, hein. Alors toi, l'avenir à pleines dents et celle-ci. Alors ça c'est quoi? Ah c'est les trousses de soprano. Ah la classe. Ah bah oui, vous avez choisi la même, ok. Bon alors c'est bon pour les trousses? Oui. Ok, on met dans le caddie. Ouais. Où le caddie? Là-bas. Alors tout compte fait, Lenny a échangé avec celle-ci. C'est bon, t'es sûre cette fois-ci? Oui. Allez, on y va. Bon alors maintenant il faut les stylos. Des stylos Bic, bleu, rouge, vert, noir. Regarde, t'en as aussi par là, Lenny.
Alors toi, t'as choisi ceux-là. Ok, moi, et Tino? Regardez la quoi comme couleur. Ça. Alors toi, ceux-là, ok? Ah oui, toi, t'as plusieurs couleurs. T'as pas que bleu, rouge, vert, noir. T'en as plusieurs. Il a du rouge, rose, violet, ouais. Bleu foncé, bleu clair, vert, vert foncé, et puis noir. Ok. Et moi, j'ai même du orange. Bon, alors, ensuite... Alors la colle, voilà, il y a des lots de colle. Donc vous allez prendre chacun un lot de colle parce que ça part vite la colle. Hein. Allez, moi, chacun un lot de colle. Moi, je vais plonger dans la colle. Alors toi, tu préfères les... Ouais, c'est ça, les petits, parce que tu dis que les gros, ça sort moins bien. Vas-y, Lénie, prends un lot de colle. Alors Lénie, il va falloir qu'il choisisse son lot de colle alors que c'est tous les mêmes. Alors tu préfères les petits ou les gros alors? Bah, j'aime bien les deux, du coup. Prends les deux. Ouais, bah de toute façon, ça servira toujours la colle. Ensuite. Bon alors maintenant les ciseaux. Ça. Alors choisissez une paire de ciseaux. Ça. Ça. Ok, ouais, si tu veux. Bah choisis mon lapin. Alors, celle-ci. Bleu. Ok. C'est bon? C'est sûr? Ok, ça marche. Ensuite, tac tac. Ah bah il y a les règles à côté, on peut aller voir les règles. Alors là vous avez les règles. Alors choisissez une règle. Je crois que c'est un double décimètre. Donc une qui fait 20 cm. Non, 30. Non, pour le C20, ça c'est 30. Ah ok, bon bah ça y est mieux que moi. Alors 30. C'est bon, non, c'est pas notre caddie, c'est Lénie. Alors c'est bon, règle c'est bon. Ah bah il y a les tailles crayons juste à côté, donc vous pouvez choisir taille crayon aussi pendant qu'on est là. Alors s'il y a besoin, vous me demandez les garçons. Alors qu'est-ce qu'il y a en taille crayon sympa? Alors là il y a les globes, là il y a les petits lapins. Là c'est quoi? Des petits dessins. Il y en a où il y a les systèmes pour éjecter les mines. C'est quoi ça? Tu sais, quand il y a une mine bloquée, ça t'appuie sur le bouton et ça enlève la mine. Oh ouais, c'est ça? Ouais, alors il y a d'autres couleurs parce que rose, si tu veux, c'est un petit peu fille, mais il y a d'autres couleurs. Quoi, bah, il y a bleu en dessous, j'ai l'impression. C'est ça? Ouais. Oh, c'est bah non, il y en a plusieurs en fait qui éjectent les mines. Hein. Ont... Tiens, voilà un Cody. Oui, il est. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que tu peux m'en donner un qui éjecte les mines? Alors, un qui éjecte les mines. Tiens. Merci Tino. Ah, tu lui donnes? D'accord. Merci. Alors, c'est quoi celui-ci? Après, tu pouvais prendre le même que ton frère si tu voulais. Hein. Non. T'as le droit. Hein. J'aime bien lui. Ah, un globe. Ah bah mon Cody, vas-y, prends-le. Même si c'est pour la maison. Je sais. Maintenant, on prend les gommes. Ça y est, t'as pris ton taille crayon? Alors, t'as pris lequel, toi? Celui-ci. Ok, en tout simple. Ok, alors les gommes, vas-y, c'est parti, les gommes. Alors, une gomme rigolote. Une gomme rigolote. Hmm. Ah bah ça, c'est rigolo. Regarde, t'as les petits poissons, là. Ça. Tu t'as changé, mon chaton? J'aime bien ça. Alors, toi, t'aimes bien quoi? Celle-ci, là? Il y a des trucs. Ça? Alors, ah oui, d'accord, on la sort au fur et à mesure. Alors, tiens, tu peux la prendre si tu veux. Et toi, Tino? Ça! Ça, c'est quoi? La gomme, t'as rien pris, là? T'as pas pris de gomme, là? Oui, ça! Allez. C'est quoi, ça? Alors, mon chat. La couche, là, pour la capsule. Ouais. Alors, ça, c'est pareil, tu la sors au fur et à mesure et t'as les petits stickers pour coller dessus. Bon, ok, ça marche. Allez, c'est parti. On va mettre tout ça dans le casier avant de continuer. Oui. Allez. Alors toi, t'as choisi une gomme comme ça. Bleu. D'accord, une gomme bleue. Tu voulais une rigolote. Taille crayon. Non, c'est pas. C'est mieux que. Ah bon, c'est pas celle-là. Non, elle va pas ici, Cody. En rigolote, il y a les petits poissons là, si tu veux, regarde.
Tu veux les petits poissons? Non? Ah bon, c'est rigolo ça? Oui. Bon, alors vas-y. Si tu trouves ça rigolo. Bon, alors tout ce que Cody choisit, ce sera un peu pour la maison parce que chez les moyens, il n'y a pas besoin de tout ça. Hein. Mais c'est pas grave, il est content. Bon, alors maintenant, les stabilos. Les surligneurs. C'est trop rigolo. Oui, c'est vrai qu'ils sont rigolos ceux-là. Ouais. Mais prends ceux-là si tu veux, mon chéri. Okay. Moi, je vais prendre des couleurs rigolotes. Alors non, je pense qu'il te faut des Ah oui, vas-y. Et je pense qu'il faut vraiment le, tu sais, les vraies couleurs, Léni. Est-ce que je pourrais en avoir un fluo? Bah ça, c'est des, tous les stabilos, ils sont fluo en fait, Léni. Hein. T'as choisi toi, quoi, toi, Cody? Non. Non. Alors, Léni, montre. Tu veux ceux-là? Bon, ok, alors vas-y, ceux-là. Alors toi, tu veux quoi, ceux-là? Bon bah vas-y, prends ceux-là. Allez, c'est parti. C'est ok pour les stabilos. Vous pouvez mettre dans le casier, les garçons. Moi, je les ai déjà mis dans le casier. Ok. Alors ensuite... Ah bah il y a les ardoises. Ardoise blanche. Alors, une ardoise. Ou alors ça, c'est un peu grand pour mettre dans le cartable. Non. On va prendre une ardoise directement, vous savez, avec le feutre et puis l'éponge. Là, t'as vu, t'as un cassable, là. C'est-à-dire quoi? Un cassable, ça veut dire que tu peux pas la casser. Ah ouais, on peut la plier. Regarde. Ouais, elle est incassable. Tu veux celle-ci? C'est laquelle? Bah, regarde, t'as celle-là aussi, c'est la même. Celle-là? Voilà, hop. On a choisi une aussi, ok. C'est bon, Léni? C'est ça, bah, de toute façon, si tu la casses, mon chéri. Alors, vas-y, dans le caddie. Allez, c'est parti. Alors, maintenant. Des stylos à plumes. Des stylos plumes, je sais pas s'il en faut. Pour l'instant, c'est pas écrit sur la liste, alors on attendra la rentrée pour les stylos plumes. Et puis, sinon, si on peut tricher pour les mettre, bah, on peut prendre une calculatrice. Ah, non, mais dis donc. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, les crayons à papier. Bah, prenez ce que vous voulez. Hein. Montre. D'accord, des crayons à papier. Ok, t'es, tu t'aimes pas avec une gomme au bout? Non, c'est une gomme. Ah non, c'est pas une gomme ça au bout, mon chéri. Enfin, c'est comme tu veux, après t'as ta gomme. Mais... C'est pratique des fois avec une gomme. Celle tout en haut. Lesquelles? Là-bas. Là-haut, là? Alors, Léni veut cela. C'est des crayons à papier? Ça, c'est oui, c'est des crayons papier, Cody, oui. Alors... Oui, ils sont rigolos, t'as raison. Regarde, j'aime bien les gommes. Avec des gommes de plusieurs couleurs. De toute façon, je prends les mêmes pour le stylo et lui. Regarde, moi, j'ai pris quoi? Et toi, t'as choisi ceux-là? Un énorme style. Un crayon. Ah non, mais pas dans le cartable. Hein. Allez, on continue. Juste ici, il y a les feutres et les crayons. Donc, on peut aller choisir les feutres et les crayons. Bon, bah ça m'étonne pas. Cody va choisir aussi. Alors toi, tu veux cela? D'accord. Moi, je fais mon grand. Toi, tu fais ton grand. Alors, les feutres, ça s'arrête ici, Tino, regarde. Après, c'est les crayons. Donc, choisis d'abord les feutres. Donc, bah, là, tu as des pochettes de 24. Là, tu as des pochettes aussi. Est-ce que ça fait du fluo, là? Est-ce qu'il y a des fluo? Quelle couleur? Mais écoute, je sais, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des fluo. Mais tu sais, tu as déjà en même temps les stabilos qui sont fluo, donc... 3, oui, c'est un 3, t'as raison. Les 4. C'est plus proche des 4, mais c'est pas grave, c'est un 3 quand même. Alors toi, ceux-là. Donc il y en a 24. C'est un petit peu toutes les couleurs. Ok. Alors vas-y. Caddy. Et toi, Léni? T'as choisi les mêmes que Tino? Ouais, montre. Et 24, ok, c'est les mêmes. Alors c'est parti. Ensuite... Alors maintenant les crayons de couleur. Alors c'est 36. À 36. Ah ouais, toi t'en veux beaucoup. Et puis moi. Toi aussi, t'en veux beaucoup. Ah bah toi aussi. Ah bah voilà. Bon bah tout compte fait, Cody, en fait il va peut-être te falloir une trousse pour ranger tout ce que t'as choisi. Hein. Ouais. J'avais dit pas de trousse, mais tu vas peut-être choisir une trousse parce que tout compte fait. T'as pris du là, Cody. Va peut-être te falloir une trousse. Hein. Cody, il en a un peu moins là, tu t'en veux un peu moins.
plaît. Non, je pense qu'il veut comme ses frères. Bah oui, bah tiens. Regarde, regarde, aussi j'ai du blanc. Ah. Blanc. Et puis, ils sont énormément bien taillés. Là, vous avez tous les mêmes, en fait vous avez choisi les trois mêmes. Allez, donc bon alors là les crayons sont faits. Et ben, je crois qu'on a tout fait là. Et c'est marqué extra résistant, super solide. Ouais. C'est cool de savoir lire. Hein. Oui, on met tout dans le caddie. Allez, hop. Alors, donc là, ben, je crois qu'on a tout fait. Ouais, on a tout fait. Bon alors Cody, du coup tu veux une trousse pour ranger tout ce que tu t'es acheté? Oui. Bon alors on choisit une trousse pour Cody et puis après c'est fini. Je peux dire une trousse de collage pour... Alors Cody, une trousse. Qu'est-ce que tu veux comme trousse du coup? Alors toi, qu'est-ce qui peut te plaire? Là tu as les Avengers, regarde. Là tu as Avengers. Cody? Tu as Spider-Man. Je sais, tu veux prendre la... Tu veux prendre celle-là? Là tu as 15. Tu veux prendre celle-là, Cody? Oui, il faut le laisser choisir. Hein. Il va prendre ce qu'il veut. Tu veux prendre une de 15. 15? Tu veux 15? Ce que j'aime bien, c'est cela pour toi, Cody. Ouais, mais Cody, il est plus petit, donc il veut peut-être des choses. Alors, qu'est-ce que tu veux, 15 du coup? Montre-moi, ouais, celle-là, je pense que tu auras la place. Ouais. Ça te plaît? Est-ce qu'elle te plaît, celle-là? Ouais. Ouais. Bon alors c'est parti, on prend 15. Allez, c'est parti, dans le caddie. Hop. Allez, on ramène tout ça à la maison et on vous remonte tout ça à la maison les copains. C'est parti, en caisse. Ah oui, on montrera les cartables de Tinelini aussi, oui. Allez, on passe en caisse. Merci Cody. Donc oui, on est bien rentrés les copains. Et comme on vous disait tout à l'heure, Tino et Lenny gardent leur cartable. Donc voici celui de Tino. C'est un Batman. Donc c'est plus un sac à dos, mais il est fonctionnel. Il a trois pochettes et tout ça, donc il est bien. Il lui a bien servi cette année. Et puis celui de Lenny, c'est un cartable à roulettes. Et c'est Star Wars. Donc voilà, ils ont décidé de les garder. Alors il n'y a pas de problème. Et toi ton nouveau, et oui qu'on a eu au magasin. Donc on a tout étalé, voilà ils ont chacun fait leur petite table pour ranger dans leur cartable. Donc voilà, ils ont plus qu'à ranger les copains. C'est des trousses de grands. Ah c'est des trousses de grands, ouais, mais tout ce que vous avez choisi c'est très bien. Moi aussi j'ai pris une trousse de CO. Toi c'est 15. Donc voilà les copains, la chasse aux fournitures scolaires est finie. Ouais. Les garçons sont prêts pour la rentrée, comme ça voilà c'est fait avant de partir en vacances. Comme ça on est tranquille, on va pouvoir profiter de la fin des vacances. Alors on va dire au revoir aux copains les garçons. Au revoir les copains. Au revoir les copains et surtout abonnez-vous.